discrètement, discrétieusement. Bonjour monsieur. On avance. Salut tout le monde, je suis Inala, salut l'unique, et aujourd'hui, on va commencer par aller prendre quelques contrats si possible, histoire de déjà de repérer un petit peu ces lieux qui sont verdoyants de nature. Ce que j'apprécie en soi. Et après, on se dirigera, ou du moins on essayera de se diriger vers la quarantaine. Bon, il est encore loin ce marché noir. Il y a quelque chose d'anormal. Non. Y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne, monsieur. Voilà, car d'ailleurs, si j'y suis, parfait. J'entends un caniche. J'entends un chiot qui aboie. C'est... Bon, il y avait des enfants ici. Non mais... Tire-toi, juste. Tu sais quoi? Je me permets de... Mais c'est pas vrai! Ça t'affiche! Bon. J'ai me reconvertir en tant que colleuse d'affiches. Parce que ces affiches dissidentes... ça suffit. Hop. Y a plus personne, je suppose. Donc, sage. Allez. Sage. C'est le loup, c'est ok, c'est lui, on s'en fiche. J'entends un chiot ou un petit chien. Et je sais pas où il est. Ça m'énerve. Bon. Invention. Sans un bruit. Et pillon. J'avais une grosse fringale. Bien. Le marché noir. Dans la zone en quarantaine, c'est parfait. Je ne sais absolument pas si on a des choses intéressantes à acheter. Oui, il est là. Est-ce que je me suis égaré? Non, ils disent bien de grimper. Ils disent bien de grimper pour aller au marché noir. Alors comment on y va? Je grimpe, sauf que là je ne peux plus. Donc c'est que c'est forcément par ici. D'accord, il fallait casser ça. Vous m'avez fait peur. En même temps, vous avez barricadé le coin. C'est normal que personne ne passe. Non mais franchement, vous avez pas le sens des affaires, vous. Heureusement que je suis une cliente courageuse. J'aurais au passage. J'aurais assez, je partirai à Culero. Vous savez que le quartier est en quarantaine. C'est le vieux jour avec mon brandy. Juste au cas où. Hein, C'est le rêve. Bon, voyons voir d'abord s'ils ont des choses faramineuses. Ouh. Vous avez l'air d'une sacrée négociante. Si un ennemi est vulnérable, je vais devoir faire attention. Ou proche de la mort, frappe du vide lui fera perdre connaissance. C'est quoi frappe du vide? Je sais pas. Par contre, non, par contre, ça, je dois dire, ça m'intéresse énormément. Je vais voir s'il y a des choses qui m'intéressent. Dangereux avec ces armes. Bon, maintenant que j'ai appris à les utiliser, on va prendre ça. Un plaisir de faire affaire avec vous. Mine, non, mutation. Ah, ça je dis pas. Objectif amélioré. Armure.
Ne prenons pas de risque. Non, non, attends, j'ai pas fini. Sacré arsenal, c'est comme ça. Dedans. Merci, merci. Tout ça, c'est augmente les dégâts, permet aux boutiques de vendre, débloque la vente, rechargement plus rapide, on s'en contrefiche. Des grenades, on s'en contrefiche. Et ça, on s'en contrefiche. Je vais peut-être prendre juste celui-ci. Ça, c'est bien visé. Et je vais voir si je puis acheter celui-ci. Il peut toujours être utile. Passage des contre-bordures. Voilà. Et il me reste pile assez pour ça. Bah vous savez quoi? Allez, on a une dépense douteuse de l'argent. Soyez continuons de l'utiliser de manière douteuse. Voilà, c'est ça que je voulais sinon. Blablabla. J'ai de bonnes raisons de croire que l'abbaye du Kidam est en train de commettre d'ignobles atrocités dans le conservatoire royal. Si vous avez aussi peu d'estime pour eux que moi, éliminez jusqu'au dernier des... les superviseurs et les sœurs aveugles, à l'exception de frère Cardoza. Attachez-le dans l'une de ces chaises musicales, je m'occuperai personnellement de son cas. Eh mais ils font des récompenses en charme d'os. Oups, pardon. Contrat ici. Sœur Roswin note avec précision ses visions prophétiques. On dit qu'elle connaît le moindre secret des îles. Les meurtres, les trahisons, les liaisons amoureuses, tout. Ces informations feraient de moi une femme puissante. Sœur Roswin note avec précision ses visions prophétiques. On dit qu'elle connaît le moindre ragot des îles. Les meurtres, les trahisons, les liaisons amoureuses. Bref, tous les ragots intéressants à savoir. Ces informations feraient de moi une femme puissante. J'offre mes charmes d'os à celui qui s'infiltrera dans le conservatoire royal pour dérober son carnet. Ça, ça m'intéresse. Plop, plop, plop. J'ai abandonné mon appartement hier soir à cause de la quarantaine imposée par cette maudite abbaye. Dans ma tête, j'ai oublié une précieuse relique, mais je doute que quiconque ait pu l'obtenir. Elle est bien protégée. En fait, j'offre une récompense à quiconque aura assez de ressources pour la récupérer. D'accord, tu dis pas où c'est, mais d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Elle est où la sortie? Elle est où? Ah oui, il faut se baisser. Oui. Ça, forcément. J'aimerais suivre ça. Suivre ça. Suivre... Non. Éliminer. Non. Non. On va juste se contenter. Elle est où la sortie? Ces deux-là. On va commencer par un pari risqué. Et ça, c'est plier les prophéties. Ça me va. Commençons avec les paris. J'ai l'air mignonne avec mon petit couteau comme ça à courir. Oui. C'est par là. C'est par là. Oui, la glissade. Oui. Oui, certes. Mais ensuite. Ah ah. Et là, tada! D'accord. Oui, mais on a compris. Mais c'est qui ce type? Par contre, c'est quoi toutes ces mouches de sang desséchées? Il tenait vraiment pas à ce qu'on atteigne son... qu'on touche à son machin. On désamorce tout ce qui est désamorçable. Voilà. Tac, tac, tac. Ça, on désamorce. Ça, on récupère. Toi, j'ai failli te rater, mais je t'ai vu. Toi, t'as été désamorcé. Toi... désamorcé. Ça, je récupère. Ça, on désamorce. Désamorcé, fouillé. Ben je pense que déjà là, on a bien progressé.
Dane, on peut pas utiliser de la téléportation si on veut pas crever. Ça, on désamorce. Ça, on désamorce. On désamorce. C'est... Il est vénère, le gars, hein. D'accord, c'est des trucs en surbrillance qui ne sont pas en surbrillance. L'horloge, on ne va pas y toucher. Franchement, il aurait pu au moins y avoir quelqu'un qui vienne arroser la plante, quoi. Ça m'aurait fait moins de trucs à désamorcer. Ça, c'est un cadre vide. Ça, c'est une lumière qui va me péter les yeux. Ça, c'est des gens qui sont morts et décédés. Est-ce qu'on peut... Grenade hyperbar, ça se prend, ça se... Ok. Ah oui, ça fait sproch. Bane. Il fallait bien un moment que je rate un piège. Oui, mais par contre, c'est pas que je ne veuille pas, mais comment est-ce qu'on est censé grimper? On est censé grimper comment? Est-ce que je peux avoir un coup d'œil, voir des mécanismes quelconques ou... Non, il y a... Je... Moi, ça me va, hein, mais bon, j'aurais... Soit. Vous êtes déjà mort. Alors, ne venez pas râler, s'il vous plaît, je vous en supplie. Oui. Ah bah, je peux tout désarmer d'ici, suis-je bête. Voilà. Ça, c'est fait. Et là-bas, il y avait encore des passages. Putain, le type, quand même, pour s'emmerder à installer tout ça, Fouah ! Il tenait vraiment pas à ce qu'on touche à ses affaires. Tac-attac. Dans le doute, on va tout désarmer. D'ici à ce qu'il y ait un autre piège foiré dans le coffre, ça ne m'étonnerait pas. Là, on coupe. On coupe. Voilà. Comme qui dirait, ne faites pas ça chez vous. Bordel de merde! Qu'est-ce que je disais? Pensez aux gens avant... Pas penser aux gens, enfin si, pensez quand même aux gens, mais avant de piétiner votre maison comme ça, assurez-vous qu'il n'y a rien que vous oubliez derrière vous, quoi. C'est un coup à se retrouver avec les trucs, vous pouvez plus les récupérer parce que bah sinon vous explosez, quoi. Genre littéral. Ah, tout va bien, j'ai les chevilles solides. Ouh. Bon, maintenant direction le con. Mais je reconnais ces lieux! Ça vient de faire tilt. Tac. On y avait été dans le... Bah, dans le 2. Il y a une entrée juste là-bas, justement. C'est trop loin. Là. Tout va bien, je vais bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Voilà. Voilà. Parfait. Ah, l'avantage d'avoir fait le 2, c'est qu'on sait qu'il y a déjà une entrée par ici.
Je me souviens que j'avais galéré parce qu'il y avait plein de sorcières qui ne voulaient pas, qui se téléportaient à l'infini dans le coin. Bref, c'était la merde. Ah, voilà. J'ai pu entrer dans la ventilation. Qui ça, moi ? Je ne sais pas, mais je l'ai vu réussir à sortir par la cour. Je crois bien qu'il ne reste plus qu'une seule sorcière vivante dans la salle de détention. D'accord. Notre thérapie a bien réduit leur rang. Tu as fouillé ce cadavre ? Ça ne s'appelle pas une thérapie si vous exécutez tout le monde, messieurs. Sa mort servira bien plus l'abbaye que sa misérable vie ne l'aurait pu. Bien dit, mon frère. Envoyons donc quelqu'un inspecter la ventilation. Mieux vaut éviter qu'une autre aille s'y réfugier. Trop tard. Bon. Mais il n'y a pas d'autre passage ? Oh, il n'y a pas d'autre passage. Bon, jetons un petit peu les lieux. Je me casse pas la gueule. Il n'y a plus personne. C'est bon à savoir. Ça fait haut, ça fait haut, ça fait... T'es rien, c'était que le vent. Je ne vous avais point vu. Permettez-moi que je vous jette. Voilà. C'est bien. Continuez de regarder comme ça. Le coup de pression. Toi, par contre, je t'ai vu. Ah non, messieurs. Attendez, attendez. Je jette votre pote. Voilà. Je suis tout à vous. C'est bon. Est-ce que vous avez tué votre pote? Est-ce que vous attendez? Inconscient, inconscient. Ben voilà. Et ça s'est bien passé. Tout se passe toujours très bien. Même s'il y a beaucoup de... de dérapages. Et de voir qu'ils ne sont pas ma faute. Rien à signaler. Ce n'était que moi. Permettez que je vous yote. N'êtes-vous que vous deux? Ils ne sont que eux deux. Et ils regardent tous les deux dans ma direction. Bien. Bien, bien, bien. Ah! Appréciable, appréciable. Appréciable, envisageable. Chut, 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 chut. Voilà. Ah, vite, 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 vite! Alors qu'il revienne sur ses pas. Qu'est-ce qu'il fait? Que fait-il? Y a quelqu'un? Non. Non mais... impossible. Vous avez raison, c'est totalement impossible. Pouk. Voilà. Oh, le coup de pression. Je ne pensais pas que ce move passerait. Auparavant, frère Cirillo. Il est rare qu'elle s'aventure hors de leur chapelle. Je n'en ai vu qu'une seule. Qui, quoi, que, comment? Mais vous êtes combien de milliers ici? Y'a que vous deux ou y'a quelqu'un d'autre? Je prends ça. Je prends ça. Voilà. Est-ce qu'il y a, moyen, il y a seulement un moyen de passage par là-haut? Pas du tout.
Bah, on va continuer sur notre lancée, hein. Que voulez-vous que je vous dise ? Toi, au moins, pouvons comprendre. Leur prophétie guide l'abbaye. Sauvegardons. Sauvegardons avant que tout parte en vrille. Oui. Ça me semble être un bon point. Je ne dois pas laisser mon esprit vagabonder. C'est bien. Absolument. Laissez votre cœur vagabonder. Ça passe. J'y crois pas. Ils sont Miro. Allez, fais de beaux rêves. Il s'est pété la nuque, c'est pas grave. C'est ça. T'inquiète pas, je suis toujours là. Ta voix semble différente. J'ai attrapé un rhume en fait. En 5 secondes. Ouais, ça s'appelle un rhume éclair. J'adore comment il regarde bien où il marche par contre. Regardez devant vous quand vous marchez, sinon vous allez être voûté. Et c'est pas terrible pour le dos tout ça. Voilà. Fais un somme. Est-ce qu'il reste de... Bon. Ah, c'est gentil ça. Pac. Oh, c'est gentil ça. C'est quoi? Clé de la morgue. Bah, nickel. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais je prends. Il y avait un passage par là, d'accord. Oh, le plan. D'accord. J'ai absolument aucune idée de ce que j'avais sous les yeux. Alors, moi, j'aimerais, dans un premier temps, récupérer ce cuivre. Dans un second temps, j'apprécierais de monter à l'étage. Jetons un coup d'œil aux alentours. Mais viens là! Oh bordel! Je suis sorti, il a fait demi-tour devant moi, il m'a pas remarqué, j'ai pas compris. Je suis sur une scène de crime. Fort bien. J'en ai rien à battre. Permettez, monsieur, que je vous interrompe dans votre observation. Il y avait plus de statues, je crois, stylées dans le coin. Jetons un coup d'œil. Il y a des sœurs ici. Okay. Et là-bas, j'ai vu un garde passer. Mais moi, ce que je veux, c'est grimper. L'escalier, il est là-bas, mais je peux peut-être passer par... Nous étudierons leur sinistre appareil dès que nos sœurs déchues auront trouvé leur... Je ne sais pas. Ah oui, je me souviens, il y avait même une des sorcières qui était sur un lustre et qui était en mode... Non mais c'est pas mon problème, hein, chargez-vous-en sans moi. Sœur Roswin vous demande sur la terrasse. C'est à propos de l'archive hérétique. Elle veut que vous la preniez. On va être sympa, on va attendre que ça se barre avant de partir. C'est à Sir Roswin que j'arrive. Je dois d'abord finir ce petit test avant que la chair de cette créature ne se dégrade. La courbure s'amoindrit dans le lobe frontal. Inhabituel. Bonjour.
Je parie qu'ils adoreraient m'ouvrir en deux comme ça aussi. Toi, fallait pas faire quelque chose avec toi, tout hasard. Il faudra prévenir le Cap Blanc quand nous aurons terminé notre mission. Bon. Va te poser là. Ah, c'est une sorcière, ça. J'imagine, sans certitude, du cuivre. Et quoi. Moi, ce que je voulais à la base, c'est juste les prophéties. Hein. Quelqu'un a causé des problèmes ici. Où es-tu passé? Des hérétiques rôdent dans les ombres de cet endroit. Concentrez-vous, trouvez-les. Attendez, je vous pose votre pote. Voilà, silence. Vous pensiez pouvoir vous cacher parmi nous? Je me soigne. Ah! Mais vous êtes nombreuses! C'est le moment de et tester les trucs. Et votre bras, blasphématoire. La musique sacrée des super. Boum! Inconsciente. Inconsciente. Une autre sorcière à purger. Cadeau! La science, les amis! Pouah, le coup sur la nuque! Je suis sûr, elle s'en sort très bien. Ce coup dans la nuque! J'ai du mal à croire que je voulais juste la mettre inconsciente, là. Mais bon! Tout s'est très bien passé. Donc on va passer. Bon. Faites ce que vous voulez dans vos armes, dans vos baignoires, mais. Ouais. Bon. Bref. Quoi qu'il en soit, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'ai aucune idée d'où est-ce que je cherchais. C'est pas grave. C'est un machin chose. Pourquoi je la veux? Attends. Attendez deux secondes. Pourquoi je veux ce machin chose? Tenez la chance de Sir Roswin. Faites main basse sur les lignes. Indice de mission. Ça, là, là, là. D'accord, ça c'est la mission principale. On est là. On va s'en charger. Madame, permettez-moi d'interrompre. Non, continuez de méditer en fait. Continuez de méditer. Moi, je vais me contenter de vous dire au revoir ici. En tout cas, Miss, je ne sais plus comment vous appelez. J'espère que cet épisode vous a plu. Et à vous aussi sur YouTube. Je peux la regarder avec un projecteur d'argentographie. Si l'ordre oraculaire peut vraiment voir l'avenir. Alors cette argentographie me dira tout ce dont j'ai besoin. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. J'avais pas vu que le plafond était comme ça. Moi, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye les gens.